Bonsoir et bienvenue pour la quotidienne de l'émission Viens tâter mon cerveau. Aujourd'hui, nous allons parler biais psychologique et nous pencher sur un biais en particulier. En anglais, le bandwagon effect, ou l'effet de mode en français. L'effet de mode, qu'est-ce que c'est? En bref, nous sommes des moutons de Panurge. Dans certaines situations, surtout incertaines, l'individu se contente tardivement de copier un comportement ou de prendre une décision, en imitant ce que fait la majorité. La particularité de ce phénomène, c'est qu'il se diffuse très rapidement dans un groupe, mais généralement limité dans le temps. Les effets de mode sont multiples et variés, et nous touchent dans de nombreuses situations. Je laisse donc la parole à nos deux sociologues, Fatima Dosso et Manon Brochu. Bonjour à tous. L'effet de mode est aussi appelé effet d'entraînement en sociologie. Cela se résume à la tendance d'un individu indécis à adopter les opinions, les comportements majoritaires de la société. On comprend donc qu'il est la source de phénomènes de groupe ou de foule. En effet, la pression sociale qui s'exerce sur chacun des individus les incite à adopter un comportement mimétique ou comportement conforme. Dans un groupe de personnes, tout comportement accepté sera adopté. Des exemples d'effets de mode dans la société? C'est facile, il y en a partout. Comme par exemple les tenues vestimentaires. La plupart des personnes aujourd'hui portent les mêmes vêtements. Pourquoi l'effet de mode? Beaucoup de sociologues se sont interrogés sur ce biais et en ont tiré plusieurs conclusions et découvert des effets se reliant directement à l'effet de mode. Premièrement, le mimétisme Wasmanien, mis en évidence par l'entomologique Eric Wasman. C'est un mimétisme qui concerne un modèle social qui est copié. Cela concerne particulièrement les insectes dits sociaux, comme les fourmis, les termites, les abeilles ou les guêpes. On retrouve aussi l'effet Veblen, dit effet de snobisme, mis en évidence par le sociologue Thorsten Veblen. Cet effet concerne le domaine de biens de luxe. Il a remarqué que lorsque les prix des produits de luxe baissent, l'intérêt porté à cela diminue, et inversement, lorsque leur prix augmente, le produit est encore plus désiré par le consommateur. Donc cet effet montre qu'un individu a tendance à désirer des biens dont le prix élevé fait sa valeur en dépit d'une praticité faible qui rejoint la consommation ostentatoire. Par exemple, on peut prendre les marques de haute couture. On remarque qu'elles ne font jamais de soldes. Elles partent du principe que les gens qui sont intéressés par ces produits ont les moyens et n'ont donc pas besoin de soldes. Cependant, on va retrouver des limites au mimétisme. Tout d'abord, les comportements excessifs dus à un aveuglement dangereux. De plus, le phénomène de bouc émissaire. Un bouc émissaire, c'est un individu qui est choisi pour endosser une responsabilité ou une faute pour laquelle il est totalement innocent. Ce phénomène a été mis en évidence par René Girard. Bonjour à tous. Alors, nous remarquons que nos sociétés actuelles sont drainées par un suivi moutonnier des comportements grégaires dans le but d'être en accord avec la communauté ou soit pour soulager une souffrance. Cependant, certaines personnes préfèrent se différencier de ce mode de vie tout en essayant de vivre de manière sobre et en harmonie et rester attachées à leurs valeurs. En effet, ces personnes sont laissées pour compte dans la mesure où on les trouve non évolutifs ou ringards dans le langage familier. Je prends un exemple, celui du smartphone et de l'Internet. De nos jours, une personne qui ne possède pas un smartphone et qui n'a pas accès à l'Internet est considérée comme une personne qui n'existe pas, qui est coupée du monde. Alors que sans ces effets, nous pouvons bien vivre. Alors la différenciation vis-à-vis de l'effet de mode est comme un manque de culture et d'inadaptation à la vie actuelle. Cependant, l'indépendance face à cet effet de mode relève ainsi d'un renforcement positif du comportement humain et aussi d'un renforcement puissant du changement du mode de vie de l'homme sans se soucier de la vie des autres. Merci. Merci Fatima et Manon. Nous retrouvons maintenant Camille et Maxime. Bonjour à tous. Le bandwagon effect se retrouve sur le plan économique à travers différentes théories. Parmi celles-ci, la théorie des jeux avec l'équilibre de Nash, qui est une situation dans un jeu où aucun joueur n'a intérêt à changer de stratégie. C'est un concept de solution dans lequel l'ensemble des choix faits par plusieurs joueurs, connaissant leur stratégie réciproque, est devenu stable du fait qu'aucun ne peut modifier seul sa stratégie sans affaiblir sa position personnelle. Donnons un exemple. Deux individus doivent se partager une certaine somme d'argent, 10 euros par exemple. Tout d'abord, le premier joueur propose un partage, c'est-à-dire qu'il annonce au deuxième joueur qu'il veut garder X euros et qu'il lui donne le reste. Puis, le deuxième joueur peut soit valider ce partage, soit y renoncer. Dans ce cas, les deux joueurs n'ont rien et les 10 euros sont perdus. L'induction à rebours donne comme solution de ce problème le partage, car le deuxième joueur accepte tous les partages lorsque x est inférieur à 10 et est indifférent lorsque x est égal à 10. Et le premier joueur préfère strictement le partage où il conserve les 10 euros. Appliquons cela au domaine de l'économie. On peut dire que l'équilibre de Nash est une situation dans laquelle les acteurs économiques, qui sont en interaction, comme le oligopole, déterminent leur meilleure stratégie compte tenu des stratégies choisies par les autres agents. Autre théorie économique traduisant du bandwagon effect, le dilemme du prisonnier,
énoncé par Albert William Tucker en 1950. Le dilemme du prisonnier caractérise une situation où deux joueurs auraient intérêt à coopérer, mais où, en l'absence de communication entre les deux joueurs, chacun choisira de trahir l'autre si le jeu n'est joué qu'une fois. La raison est que, si l'un coopère et que l'autre trahit, le coopérateur est fortement pénalisé. Pourtant, si les deux joueurs trahissent, le résultat leur est moins favorable que si les deux avaient choisi de coopérer. Donnons un exemple. Deux suspects sont arrêtés par la police, mais les agents n'ont pas assez de preuves pour les inculper. Donc, ils les interrogent séparément en leur faisant la même offre. Si tu dénonces ton complice et qu'il ne te dénonce pas, tu seras remis en liberté et l'autre écopera de 10 ans de prison. Si tu le dénonces et lui aussi, vous écoperez tous les deux de 5 ans de prison. Si personne ne se dénonce, vous aurez tous les deux 6 mois de prison. Comment raisonne-t-il ? Quel que soit son choix, j'ai donc intérêt à le dénoncer. Si chacun des complices fait ce raisonnement, les deux vont probablement choisir de se dénoncer mutuellement, ce choix étant le plus empreint de rationalité. Or, s'ils étaient tous deux restés silencieux, ils n'auraient écopé que de 6 mois chacun. Ainsi, lorsque chacun poursuit son intérêt individuel, le résultat obtenu n'est pas optimal. Appliquons cela au domaine de l'économie. Ce problème modélise bien des questions de politique tarifaire. Le concurrent qui baisse ses prix gagne des parts de marché et peut ainsi augmenter ses ventes et accroître éventuellement son bénéfice. Mais, si son concurrent principal en fait autant, les deux peuvent y perdre. Je laisse maintenant la parole à Camille, qui va appliquer le bandwagon effect au domaine financier. Merci. Bonjour à tous. Alors, le comportement mimétique, c'est-à-dire l'effet bandwagon, est aussi présent lors de crises financières et se traduit par l'anticipation de l'opinion générale. Une crise financière, c'est la détérioration brutale et fluctuante d'un ensemble d'indicateurs financiers. C'est le passage du paradoxe de la tranquillité à l'euphorie spéculative. Kindleberger définit 4 phases. Premièrement, l'essor. Il y a des anticipations de la conjoncture par les agents économiques. Les taux d'intérêt diminuent, donc l'octroi de crédit par les banques augmente. Il y a une augmentation du prix des actifs. Ensuite, il y a l'euphorie. Les crédits sont surévalués par rapport à la capacité de remboursement, donc les risques sont sous-évalués. Les bulles spéculatives se forment alors. Les agents économiques spéculent, c'est-à-dire qu'ils prévoient la psychologie des marchés. On parle alors d'anticipation. Ce sont des prévisions partant sur l'évolution de variables économiques. Dans ce cas, les anticipations des spéculateurs sont peu réalisatrices. Elles qualifient une situation où les actions des agents économiques sont suffisantes pour engendrer l'événement lui-même. Selon Keynes, en situation d'incertitude radicale, on ne sait pas tout simplement, nous avons tendance à imiter les autres. Donc, le cours de la bourse augmente du fait que tous les autres individus pensent que le cours va lui-même augmenter. Et ce phénomène est amplifié par la concentration des opérateurs. On est bien dans le cadre d'une prophétie autoréalisatrice. Les bulles rationnelles sont mimétiques. Il convient de s'aligner sur la croyance collective. Ainsi, les comportements reflètent l'opinion moyenne. La troisième phase est celle du paroxysme et du point de retournement. C'est la chute brutale des actifs, comme le krach boursier du 24 et 25 octobre 1929, ce fameux jeudi noir à Wall Street. Et enfin, pour terminer, la crise se propage à l'ensemble de l'économie financière et réelle. Pour conclure, dans un contexte d'incertitude radicale, les agents forment des anticipations sur la base de croyances mimétiques qui aboutissent à des conventions. Merci. Merci d'avoir écouté notre émission. Nous vous retrouvons pour un prochain épisode de Viens tâter mon cerveau où nous parlons d'un autre biais psychologique.